poigné. Les amis, ce soir, c'est grosse affiche Portugal-France et je vais vous dire à quoi va ressembler le match, les amis. Oh là, quand il y a un Portugal-France, c'est l'anniversaire de Ronaldo. Oh là, papa Ronaldo, cri-cri! Eh, cri-cri, passe-moi ton maillot, cri-cri! Pète-moi le cul-cul, cri-cri! La vie de ma mère, bande de suceurs, les joueurs de l'équipe de France, la vie de ma mère, c'est incroyable! C'est incroyable, vous avez vu le dernier match France-Portugal? Ils étaient tous là à prendre des photos avec Ronaldo. Ouais, le GOAT, Ronaldo la légende, vos grands-mères, va! Oula! En plus, ils pensent qu'en ne jouant pas à leur meilleur niveau face à Ronaldo, ils respectent Ronaldo. Ronaldo, c'est une légende, c'est un gagnant, c'est un compétiteur. Ronaldo, les gars, oula, il va plus te respecter si tu joues à fond contre lui que quand tu fais semblant. Oula, vous avez vu Mbappé? Papa Ronaldo, oui! Pète-moi le cucu, cri-cri. J'avais des posters de toi quand j'étais petit. Ouais, t'es mon beau-père, Ronaldo. Va te faire foutre, Mbappé. Va. Bande de suceurs, c'est un match, c'est un match. Comment vous voulez qu'on bat le Portugal quand la plupart des joueurs de l'équipe de France, c'est des gros fans de Ronaldo, des fans refoulés. Oh là là, team, comment vous voulez gagner, les gars? C'est des fans, c'est des Stéphane. Oh là, pendant le match, cri-cri, hein, ton maillot à la fin, hein, ton maillot. Et si tu pourras me péter le cucu aussi dans les vestiaires, wesh les gars. Oh là, réveillez-vous, c'est incroyable. Oh là là, Adem, le Portugal, ils ont brisé nos rêves en 2016. Aucun esprit revanchard. Les joueurs de l'équipe de France, ils s'en battent les couilles. Ouais, hein, on se donne la main. Ah, la queue, le. Tout le monde lui bouffe la queue. Ah, ouais, arrêtez de sucer Ronaldo et jouer au foot. Nul, Giroud. Nul. Les amis, j'ai pas de chance, hein. C'est incroyable. Hein. Pour une fois que j'ai un beau gamos, une belle voiture, voilà. C'est le confinement. Il n'y a pas un chat dehors. Il n'y a pas une meuf, les gars. À quoi ça sert? Voilà. C'est incroyable quand j'ai des voitures de merde. Oula, il y a toutes les meufs dehors, toutes à poil, elles sont là. Elles me regardent de travers, elles se foutent de ma gueule. Eh oh, les michetots! Eh oh! C'est incroyable quand t'as une voiture de merde. Il y a tout le monde dehors. Oula, frère, c'est la Saint-Patrick. Oula, c'est Thanksgiving dehors quand t'as une voiture de merde. Quand t'as une belle caisse, il y a des meufs, tu parles avec elles. Tu lui dis, ouais, viens, on se voit à l'hôtel. À l'hôtel? Ça va pas? Moi, je vais pas à l'hôtel. Hein. Je suis pas une meuf comme ça. Hein. Je te le dis de suite. Hein. Et le lendemain, tu la baisses dans la voiture. Je comprends pas. Les meufs qui vont pas à l'hôtel, mais qui baissent dans une voiture. C'est quoi votre projet, en fait? Voilà, c'est quoi votre. T'as les critiqueurs au quartier. Eux, c'est les meilleurs. Hein. T'as des mecs, ils ont pas de voiture, pas de permis de conduire. Voilà, ils sont en trottinette électrique et ils se permettent de juger tous les véhicules qu'ils voient. Voilà. Il est au quartier comme ça, il fait rien de la journée. Voilà, automoto le mec, hein, critiqueur, hein. Il est là. C'est quoi comme voiture ça? Mercedes? C'est le GLA 180D? Ouais, j'aime pas moi. Ouais, j'aime pas ce modèle. J'aime pas le GLA 180D parce qu'ils ont des moteurs de Renault dedans. Je préfère le GLA 200D. Les 200D, 220D, ils ont le propulseur arrière, les phares xénon devant et le moteur hydroalcoolique à l'arrière. Ouais, je mon pote. T'as rien. Qu'est-ce que tu parles, hein? Va au quartier demander un tour de voiture à quelqu'un. Voilà, tu demandes à un Saab, frérot. Tu me prêtes ta voiture? Frérot, tiens la voiture, tiens les clés, tu casses, tu payes. Voilà. Tu rayes, c'est pareil. Voilà. Tu fais un tour, t'as la boule au ventre, t'es pas bien. Voilà, je laisse la lumière. Voilà. Je vais éteindre la lumière, personne ne me voit. J'arrive au bureau tabac, là, va faire le virement, les frères. Hein. Voiture de luxe, vêtements de luxe. Ça, c'est la vraie life, les amis. Voilà. C'est pas la vie de menteur. Ça, c'est la vraie vie. T'as vu les mecs qui sont en location, ils sont obligés de trop en faire. Son billet en Fendi, la tête aux pieds. T'as vu, c'est décomplexé de la vie. Quand c'est à toi. Oula, en couche-culotte dans la voiture, si tu veux. En slip, oula. Oula, je le ferai. Je conduirai en slip. Slip babar, la vie de ma. Pire, c'est quand t'as un beau véhicule, oula. Et tu croises des gens en voiture qui n'ont rien à perdre. Oula, je les appelle les briseurs de rêves. La vie de ma mère, les amis, ils sont bons qu'à briser les rêves des autres. T'as vu? T'es en voiture, en famille, tout content. T'as payé ton véhicule, t'as galéré dans ta vie, et t'as un trou de balle en fumette, avec des grosses cernes, il est là, il sort du rond-point, il tape ta voiture, pas d'assurance, délit de fuite, il descend avec toi, il frappe ta femme, oh là. Je les appelle les briseurs de rêve. Les briseurs de rêve, c'est les mecs qui n'ont rien à perdre en voiture. Ils respectent aucune priorité, aucun cédé le passage, oh là, c'est incroyable.
Le virement, les gars. Le virement. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est ça. Alors, c'est juste à contrôler. Oui, c'est ça. Et encaisser aussi. Hein? Mais gros lot. Ah, gros lot, ouais. Bah ouais. Ben oui, pour une fois. Il me faut un rib. Oui, je vous... Vous savez ce que j'écoute maintenant? C'est incroyable, les gars. Le destin se rencontre. Les amis, je vous l'annonce à l'avance. Portugal-France, c'est 0-0 ce soir. 0-0 comme la tête à Toto. Comme un Coca-Zéro. La vie de ma mère, je vous le dis à l'avance. Mais en tout cas, c'est beaucoup, c'est émouvant, je trouve. Là, t'as Marcus Thuram. C'était pas prévu, ça. Vous connaissez cette musique? Je vais vous la laisser, du coup, hein. Hey, hey, hey! Émouvant, là t'as Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram qui va jouer, qui est dans l'effectif. Voilà, t'as Cristiano Ronaldo, le fils de Ronaldo, le brésilien. Ah les gars, wallah dim. J'ai gagné mon pari sur Espagne contre la Suisse, match nul. J'ai mis 200 euros. Mais voilà, la dim, j'ai pas fait esprit. Voilà, je voulais jouer la France. 200 sur Winamax, match nul de la France. Voilà. Et au bureau tabac, 300 sur la France. Je vois tout le monde qui m'écrit Mohamed, t'es un bon parieur, t'es le meilleur. J'ai, qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, j'ai pas fait esprit, les gars. Voilà. Vous n'êtes pas dit, c'est suspect, ils trouvent un pari et tout. Mais moi, comment je reçois des messages, Momo, bien joué, t'es le meilleur. Voilà, c'était pas volontaire. Incroyable ça, je comprenais pas. Tout à l'heure, je reçois plein de messages, Momo, bien joué. Espagne-Suisse, je savais même pas qui jouait l'Espagne aujourd'hui. Et j'ai misé sur 200 euros. Qu'est-ce qu'elle est belle la vie. Faut que je fasse, en fait, c'est ça en fait. Faut que je joue au hasard et j'ai plus de chances de gagner au hasard que quand je réfléchis, c'est incroyable.